Coucou! Bon, j'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques. Moi, je reviens avec un album que j'ai fait durant toute la journée. J'avais du boulot à faire, mais j'avais pas envie de le faire parce que c'était férié, donc on verra demain. Très bien que pourra dans les jours à venir, le confinement, la moitié télétravail, moitié au boulot, tout ça. Je pense bien à tous ceux qui sont isolés, seuls, hein, parce que ça, j'ai fait moi le premier confinement et c'est pénible quand même, hein, il faut être honnête. Et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un album qui, une fois n'est pas coutume, comporte des photos. Voilà. C'est un album que j'ai fait à partir. Il y a deux cartes et deux enveloppes. Crème, action. Voilà. Je vais vous expliquer le thème, bien que ce soit flagrant là. J'ai fait tout le long, j'ai visé tous les bords à chaque fois, de chaque papier. J'ai fait un tampon ligne, la découpe pâte, et voilà. Et après, j'ai remis des petites perles. Enfin, je me suis arrangée pour mettre les pâtes. Il n'y a qu'un endroit où la pâte, elle est moins flagrante, elle est sur la photo, mais ça va avec la photo du chien. Alors voilà, je vous présente Moustique. Le titre, moi c'est Moustique. L'idée, c'est que j'ai voulu des découpes avec de la découpée sur les vieilles photos et avec des découpes avec de la couture. Sauf que ben là, en fait, quand j'ai coupé, la couture, elle s'est marquée sur le tour et pas du tout sur la photo. Donc c'est la seule qui n'a pas le trait de couture. C'est la seule qui n'a pas les mêmes perles que les autres. Ça c'est le nouveau lot d'action là. J'ai eu avec plein de perles pastel, voilà, que tout le monde a eu. Hein, je pense que ça a été trouvé très facilement. Et en fait, comme c'est pas uniforme que les photos à l'époque, c'était pas des photos Instagram. Hein, vous allez voir, ça va être coupé par certains moments. Vous allez vous dire, mais qui c'est? Et parce que bon, je vous expliquerai au fur et à mesure des photos, c'est à l'époque, c'était pas des photos Instagram. Il y avait tout n'importe quoi. Donc là, genre, il y avait beaucoup plus d'herbe que de haut de la voiture, même le haut de la voiture, on la voyait pas, parce que moi je sais que c'est l'Opel de mon grand-père, donc voilà, parce qu'elle avait une espèce de couleur bleu-verte indescriptible que se retrouve là dans la petite découpe. Et donc du coup, les découpes, j'ai toujours essayé de trouver des découpes qui revenaient avec la couleur prédominante de la photo, puisque du coup, sinon c'est le branle-bas de combat, il y en a partout sur la photo et voilà. Donc voilà, moustique. Le boxer de ma tata et de mon papa, de leur enfance, adolescence, et après de moi, la première petite fille qui était toujours derrière le chien. En gros, si vous cherchiez l'enfant, vous cherchiez le chien. C'est ou le sens inverse, vous cherchez le chien, vous cherchez où j'étais. Ça fonctionnait comme ça. C'était mon copain de câlin. C'est des souvenirs de petite fille, hein, où c'est que j'étais, voire petite, voire aussi haute que le chien, j'en sais rien, je voyais une grosse masse arriver. Mais je sais que ce que je ressentais, c'était une joie pas possible, c'était le chien qui arrivait. Je voyais aucune peur, alors qu'en 2-2, il m'aurait mis par terre. Hein. Voilà. D'où aussi ma passion pour les plus gros chiens que les petits. Je comprends l'amour qu'on peut porter à un petit chien. Mais j'ai été élevée avec des gros chiens. Donc, le boxer de ma grand-mère, le doberman de mon oncle. Enfin, voilà, vous voyez, j'ai costaud, moi. Alors, parfois, il y a des dates. Parfois, il n'y a pas de date. Parce que des fois, ma grand-mère... Enfin, derrière les photos, vous aviez les dates à l'époque. Alors, peut-être que d'ailleurs, ça a été imprimé en juin 2000, en juin 83. Mais qu'en fin de compte, peut-être une photo qui datait de janvier 83. J'en sais rien, mais bon. Et voilà, donc celle-là, elle m'amuse beaucoup parce que, genre, j'ouvre un œil, tu m'embêtes à vouloir prendre une photo, quoi. Donc là, j'ai remis les petits cœurs qui sont violets parce que la photo est dans les violets taupes. Là, on a. Alors, ça, c'était son tapis, ça. La photo où je dors, enfin, où je suis couchée et je lui fais un câlin, c'est le tapis du chien. Vous savez, à l'époque, quand on disait va au tapis, il y avait réellement un mot tapis, en fait. Donc là, j'ai retrouvé un petit papier bleu marine dans un 15-15 avec des petits traits roses qui peuvent un peu rappeler ceux du tapis. Donc, moi, ma mémoire, il était magenta le tapis. Hein. C'est pas rose, mais voilà. Donc celle-ci, elle date de décembre 82, où j'avais 3 ans. Là. Non, mais regardez-moi ça, là, c'est la scène. Il y a un chat
m'embête la ring light, hein, ça fait des reflets. Il y a un chat, genre, bah, il le regarde. Voilà. Même pas, on sent qu'il est sur le point de décoller, de piquer un sprint derrière. Ou... Non, 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 non. Juste, il le regarde. Ah oui, et ça, c'est une bande de découpe. Les bandes, là, action, il y a plein de petites découpes bandes qui font des arrondis, des losanges. Là, j'ai commencé un autre album où il n'y aura pas de photos dedans pour l'instant, mais j'ai beaucoup utilisé le losange là. Bon, alors là, on a juste une page. Donc, ça, c'est mes deux enveloppes qui relient l'album. Parce que la carte, vous voyez, elle est collée à même d'un côté, matée en noir hein, en dessous. Et là, du coup, j'ai mis du papier vitrail. J'aime bien le côté transparent un peu. Et j'ai mis les pellicules pour faire vraiment les pellicules de dans le temps. Quand vous alliez chercher vos photos, il y avait les pellicules avec. Donc, idem de l'autre côté. Hein, voilà. Là, on a délicatesse. Alors, 12 déce... enfin, en décembre 82, hein, c'est écrit sur la photo. Alors, ma tante est au téléphone. Oui, le vieux téléphone, voilà. Ma tata a un pull gris, le téléphone est gris, d'où le gris là et le gris là. Et donc, la délicatesse de ce chien qui venait chercher à câlin. Sauf que, bah, bien évidemment, mon avis, il ne pouvait pas monter ses 40 kilos sur ma tante. Donc, voilà. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il m'ait fait ça. Moi, j'ai souvenir qu'il posait sa tête sur moi. Sur mes jambes, toujours. J'avais toujours sa tête sur mes jambes. Donc voilà, il venait chercher ses caresses, tout ça. Voilà, bon, bref. Là, on a alors exemple de comment ça, ta mère ne t'habillait qu'en bleu? On va pas, hein? On va pas repartir sans mon amour du bleu. Donc du coup, j'ai mis les cœurs bleu clair qui reviennent avec la robe bleu clair et les trucs bleu clair. Et regardez l'enfant. C'est fou comme j'ai l'air traumatisée. Parce que j'y pense, parce que j'ai vraiment cette image d'une grosse masse noire en face de moi, alors que voilà, enfin, mais j'étais contente de le voir, c'est même pas le débat, j'avais même pas peur. Mais là, c'est l'exemple. Quand je vous dis chercher l'enfant, chercher le chien, ou inversement, chercher le chien, chercher l'enfant, vous le trouverez les deux. Voilà. Et là, donc, c'est ma grand-mère derrière. Donc du bleu un peu plus soutenu, parce que ça c'est un pull bleu que ma maman, enfin c'est une robe bleue, ma maman m'avait tricoté et mon papa, elle avait fait le pull à mon papa. Donc en fait on était coordonnés, mon papa et moi. Et regardez, hein, comment je suis debout et je suis sur le sein. Et là je dois pas être vieille, combien? C'est écrit quoi? Janvier 83. Oh, ben, j'ai déjà 3 ans quand même. 3 ans et un mois. Donc voilà, avec les petites perles un peu plus soutenues aussi, qui reviennent avec la robe et les cœurs bleus. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est parti de deux enveloppes avec des photos, des découpes. C'est pas un. Si, c'est un bel album parce que c'est mes souvenirs. Mais c'est pas un bel album où vous savez, vous avez une collection de papier, etc. Mais je ne pouvais pas me permettre de le faire parce qu'aucune photo n'est prise au même endroit. Quand vous prenez, je sais pas moi, toute une collection et puis que vous faites, je sais pas, les vacances à la mer, les choses comme ça. Oui, là, non. Vous avez. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Les photos, non mais. Pierre, je vous assure, alors, cette photo, alors, ces deux photos-là. Là derrière, vous voyez, il y a le meuble avec le lecteur disque. Là de l'autre côté, sur le restant de la photo, vous aviez les vinyles sur le côté. Vous avez une boîte de Scrabble. On est sans blaguer. Et là, tout là, long là, cette photo-là, tout là, là, je sais pas qui a pris cette photo. Je pense que ça devait être mon grand-père. Il a été se mettre vraiment contre le mur. Et donc, il y avait tout un coin où là, on avait un bout de meuble. Et là derrière, vous avez tout le grand meuble de ma grand-mère avec tous les bibelots qui est dessus. Donc c'est une photo qui est grande comme ça pour, en fin de compte, les trois personnages là intéressants. Donc voilà. Ces photos pas Instagrammables de l'époque. Donc il était très difficile pour moi, oui, pour en venir à ça, d'utiliser une collection ou en tout cas tout un décliné de. Parce que les photos n'ont rien à voir les unes avec les autres. Même là, dans l'ordre, hein, j'ai mis les dates, c'est juste pour avoir en aide-mémoire. Mais voilà, même les dates, 82, 83. La 83, elle aurait dû être en dernier, sauf que moi je voulais qu'il y ait le chien à l'intérieur. L'autre qui ferme, c'est le chien à l'extérieur avec le chat, donc l'extérieur sur l'extérieur. Ah, ouais. Faut me suivre. Hein. Et de l'autre côté, c'est ma tante et moi, les deux
les deux avec moi en fait. Elles sont quand même mises dans un certain sens qui n'a rien à voir avec le sens des dates. Bon, après, il y avait peut-être d'autres photos. Je sais que ma mère m'en avait donné plusieurs. Avec le chien, j'ai retrié moi-même. Parce que je n'avais pas gardé 20 photos du chien couché. Mais voilà. J'ai pris à mon sens les plus belles. Et puis, c'est mon petit album souvenir à moi. Alors, oui, il n'est pas, c'est pas ce que je ferais normalement non plus pour un album. Mais là, je suis vraiment partie des photos. Voilà. Moi, je trouve qu'il est joli. Hein. Il se tient bien. Il a une certaine touche. Il ne manque plus qu'à le présenter à la famille. Oh, mais j'ai perdu le petit moi. Le petit moi, il s'est décollé. Bon, bah, je vais le recoller. Voilà. Moi, c'est moustique. Parce que je ne sais pas. Je savais pas quoi mettre comme titre. Je voulais mettre un truc genre c'est moi la star. Parce qu'il pose quand même de tout son poitrail allongé dans l'herbe. Mais après, je me suis dit, oh, non. Plus tard, un jour, mes nièces, elles regarderont ça, elles ne sauront même pas qui est ce chien. Donc, autant que je leur laisse une petite trace de tata avec le chien familial, je leur montrerai voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Parce qu'elles n'ont jamais, mais vraiment jamais connu ce chien, puisque je crois que même mon petit frère n'a pas dû le connaître. Le chien a dû partir, mon frère avait 2 ans. Donc, voilà. On arrête là. Trêve de blabla. Ah oui, et puis ça, enfin, ça, j'ai l'impression que c'est son couleur bringé feu à lui, en fait. La robe du chien. C'est entre le. Là, avec la lumière, ça fait des reflets dorés, mais c'est roux, il y a des fils noirs. Enfin, voilà. Ça revient avec la robe du chien, en fait. Sur ce, présentation de ce petit album. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques. Et puis, donc, je vous souhaite un bon énième confinement. Parce que je crois que c'est le troisième. Mais comme le deuxième, j'ai été trahie comme si de rien n'était, j'en ai pas rêvé. Donc, je vous souhaite un bon confinement. Prenez le temps. Tiens, faites des tris dans vos vieilles photos. Et puis, faites-vous plaisir. Et voilà. Bisous!